Les Cadets du Baugeois sont une association qui date de 1965. Elle est composée de deux disciplines, la musique, un orchestre de cuivre naturel et de percussion, et une discipline sportive, la gymform fitness, qui est encadrée par Christelle Chalopin. À ce jour, elle compte environ une centaine de membres, essentiellement venant du canton de Baugeois et un petit peu des cantons avoisinants. La section gymform, c'est du fitness. Nous y pratiquons du cardio sous forme de HIIT et de ELIA, et également du renforcement musculaire avec du petit matériel. La deuxième partie du cours se passe au sol sur tapis, avec des exercices spécifiques pour renforcer le dos et les abdos fessiers. Nous terminons toujours la séance avec des étirements au sol et une partie relaxation. L'olympisme, c'est aussi le sport loisir que nous pratiquons dans nos associations locales. Les adhérents y viennent pour entretenir leurs conditions physiques et préserver leur santé en fonction de leurs capacités, leurs besoins et leurs envies, et aussi pour passer un moment de convivial de détente. Dans le milieu associatif, nous accordons une grande importance au respect de son corps, au respect des autres, avec des valeurs de bienveillance et de dépassement de soi, et surtout de plaisir. Beaucoup d'événements. Nous avons démarré par notre grand concert annuel avec la participation d'une batterie fanfare amie et extérieure de Saint-Jean-de-Bray, qui était sous la direction de M. Alain Coudray, qui vient nous voir régulièrement pour nous encadrer, nous former. Il y a eu ensuite les participations au concours de la FSCF, au concours régional de la Fédération sportive et culturelle de France, à laquelle nous appartenons, qui était au Pouliguen. Tout au long de la période estivale, nous allons nous promouvoir lors des différentes animations estivales, à savoir le concert du 14 juillet à Baugeois et les animations dans les communes limitrophes, le Vieil Baugeois, le comice agricole de Vaulandry. Pour terminer cette saison, nous organiserons une grande soirée dansante le samedi 5 octobre, soirée choucroute avec un orchestre de prestige. Voilà un petit peu toutes les animations de la saison. Et au niveau de la musique, on a choisi cette année de faire un petit clin d'œil à l'année olympique dans le cadre de l'Olympiade culturelle, de par notre répertoire, en essayant de proposer au public des morceaux qui symbolisent un petit peu une majorité de pays qui vont participer aux Jeux olympiques.